sick. Hi, my name is Devin. Parkour is jumping on walls. Es una manera de entrenar donde lo entrenas todo. It's just moving your body in a creative way. It's a cliche to say it, but it's a bit more than just moving. Parkour for me is happiness. It always makes me happy, and I can express myself in the way of movement. And it's all positive vibes, and I love it. It just makes me feel free, like I can do anything. Le tour d'Europe, il a commencé avec la première ville, c'était Dublin, donc en Irlande. On a pris l'avion de Genève pour aller jusqu'en Irlande. Bon, il est 23h15, on n'a toujours pas trouvé l'endroit où dormir. On va bientôt se remettre en route pour essayer de trouver un parc qui s'appelle Phoenix Park. On ne sait pas trop à combien de temps c'est de là où on est. Yeah, the parkour community in general in the world, from my personal opinion, from my personal point of view, is the best community around, for the main reason that there isn't a proper definition of what we're doing, how to do it. There's no set of rules, which means that people are just generally happy chaps that just jump on stuff. It's interesting to see how much, no matter where you go, communities they're similar, you know? Like, the parkour community all over the world is really welcoming, and really open, and really helpful. La relación entre nosotros es muy fuerte. Porque todos estamos súper unidos. Incluso si viene gente de otros sitios, aunque no conocemos de nada, es como si nos conociésemos de toda la vida. The community is more like a brotherhood, a sisterhood. We're all there for each other. We can help each other. We look out for each other. And that's something beautiful. I had a kid the other day just give me a little card just saying, "Oh, you're the best parkour and freerunning teacher ever." And that just filled my heart with joy. I was like smiling for days after that. There's a really big connection because if you're doing parkour, you understand each other in a very different way and you have fun doing sport in a playground and stuff like this. And we've met because of parkour and yes.
Yo creo que la gente que hace parkour viaja tanto por el mismo motivo que es por el que hace parkour. Y es para empezar porque en general veo que la gente busca retos constantes. Tanto en el parkour como en viajar se trata de tener retos y superarlos y ver situaciones nuevas, verse en situaciones en las que no habías estado nunca antes. Eso es lo que tienen en común el parkour y viajar. In parkour and traveling related because you can't do everything you want to do at parkour in one city. It's not got it all there. It's not like running where if you've got this no matter where you do it, it's the same thing. Après Dublin, on a été à l'ouest de l'Irlande pour aller aux cliffs de Moher. Comment expliquer les cliffs? Alors, c'est beau. On a trouvé une ferme abandonnée. On a pu planter notre tente, faire à manger et passer la nuit tranquille, même s'il y a eu une immense tempête pendant toute la nuit qui nous a réveillés. Là, il est environ 7h30, je viens de me réveiller. On a passé la nuit là-dedans, dans cette maison abandonnée. Et il a plu toute la nuit et il y avait une chier de vent toute la nuit qui tapait contre la tente. Donc c'était assez compliqué pour s'endormir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné au cliff pour aller prendre un bus, ensuite un train pour retourner à Dublin. Et le soir même, on a pris un ferry pour aller jusqu'en Angleterre. On arrivait vers 1-2h du matin et le premier train était à 4h. Du coup, on a dû dormir dans la gare 2-3h et prendre le premier train parce qu'on voulait aller jusqu'à Sheffield. Arrivé là-bas, on a pu être accueilli par Lorient Biette, un super ami à nous. When I started, well, Sheffield Parkour community was, I don't know much about it, when I started it was really big. And then it slowed down. A lot of people finished their university courses. Seemed to be moving away from parkour. So there's people coming, going, coming, going. But at the minute it's pretty good. We've got quite a lot of people doing it, quite a lot of people training. It's a really good city to train when it's not raining. It's great.
Yep. 3, 2, 1. Yeah. On est à Sheffield dans un appart sale. So this house, there's 9 people living in it. Pretty much most of the 90% of the people living here do parkour, are related in some way with the parkour community. I love the place, I do. But obviously it does get messy sometimes. But it is a good place, Like, it's not like you come home and you're like, oh, now I'm home, stuff are finished. No, you come home, it's like, you've got all these cool people around you can always chill with, train with. And it's just like, it's just been on holiday. It's like being on holiday. Bonjour, bienvenue à la cuisine de The Farm. Nous avons une façon très spéciale de faire à manger ici. Parce que, comme vous pouvez remarquer, la cuisinière ne marche pas. D'accord? Donc, préparez-vous. C'est que se passe la magie. Vous allumez celle qui marche. Vous allumez l'autre et vous attendez. Voilà. Nous allons faire des pastas à la Lorient. On met une pincée de sel. Pincée mes fesses, ouais. The place is such a social event, like every day something else happens. And you could just be chilling out 1 minute and then one other person that lives here just goes, fancy a roof mission, just, and then you're like, yeah, sit, we go down to Fargate and blah blah blah. Well, when I started parkour 6 years back, it brought me like more joy. I was a very negative person, just hanging around with the wrong people. I didn't live with my mom because she couldn't handle me and stuff. You know, I was busy with stupid shit. Yeah, eventually I found parkour, free running. And yeah, that changed. You know, I used to smoke cigarettes and to go out every weekend and drink, you know, and stuff, but that's totally gone. I'm just enjoying life right now. Yes. London is probably, it's one of the best places to train, not only because it's got the most iconic spots in England, it's because it's massive.
non. Le lendemain, on a passé une journée à rien foutre. Le surlendemain, on est allé de Guildford, ou aux alentours, je ne sais plus exactement où on était situé à Guildford, jusqu'à Brighton. Après l'Angleterre, on a été en Hollande, donc on a pris un ferry pendant une nuit. On est arrivé là en Hollande le lendemain matin vers à peu près 8-9 heures à Wake van Holland, je sens que ça s'appelle comme ça. Yeah. How are you? I'm good. How are you? So there's a massive like conundrum between what is free running and what is parkour, and a lot of people say that parkour is all about jumping, getting from A to B as fast as possible. Yeah. Free running is about, you know, doing the flips and the spanky cool stuff. Whoa, dude! Yeah, I think nowadays it's not really different anymore because everybody who says he does parkour, he also do flips, mostly. I can see why they might want the difference, because you don't want just flips to become parkour. And then people start doing that, thinking it's this. But personally, it doesn't matter so much. I think still the only difference is your focus. If you say you're a tracer or you're doing parkour, I think that you're automatically more focused on real parkour, like the jumps and the concretes and the as fast as possible, the lines, you know, more the as fast as possible. And if you say for yourself that you're a free runner, I think then that you're more busy with flips and that kind of stuff, you know. So that's maybe the only little difference there is. Welcome to our TV show. My name is Devin. I'm a professional free runner from the Netherlands. I'm here with Karin. Karin, how are you, man? Yeah, I'm fine, thank you. Good, he's fine. That was our show for today. Thanks for watching, subscribe and like, and see you in the next video. I'm out of here. Le deuxième jour, on était en Hollande. On a été au nouveau parcours parc d'Amsterdam. C'est les mêmes lettres
les fameuses lettres d'Amsterdam où c'est écrit I Amsterdam, sauf qu'ils en ont fait un parcours park. Après les Pays-Bas, on voulait aller à Madrid, mais pour pas que le trajet en train soit trop long, on a fait un détour par Bordeaux. On est parti assez tôt le matin pour pouvoir prendre un train depuis Bordeaux jusqu'à Madrid. Alors qu'on arrive à Madrid, on s'est fait héberger le soir par un ami à Johan qui s'appelle David. C'est good. Thanks man. Thanks for that. Avoir la possibilité de manger un repas chaud, d'avoir une douche et un lit pour la nuit, c'était super. Après les deux nuits où on a passé dehors à Bordeaux, c'était le paradis. On n'aurait rien pu demander de mieux. On est tombé sur nos amis marseillais, par hasard, comme ça, dans la rue. On a passé le reste de la journée avec eux, on est allé à différents spots de la ville. À Madrid là pour tracer ou ça se passe comment? C'est trop bon, il fait trop bon mais c'est pas possible. C'est genre 37 degrés. Yeah. Le lendemain matin, enfin matin, début d'après-midi plutôt, on est allé au Parcours Park de Madrid qui, lui, c'est vraiment une tuerie. Ça fait tout, bien? Sobre todo, viene muchísima gente de todo el mundo, tanto de España como
de Alemania, de Francia, Gran Bretaña, muchísima gente, viene muchísima gente porque creo que Madrid es una de las mejores zonas del mundo para entrenar parkour. Après avoir passé la journée là-bas, nous on a dû retourner à la gare. Du coup, ils nous ont tous accompagnés là-bas, on est allé à un petit spot à côté de la gare. Ouais! Ouais! Yes! On a dû aller en vitesse choper notre train, on a failli le louper pour aller jusqu'à Barcelone. Good travel! Yeah, thanks! Hi guys! Bye! Bye, 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 bye! Arrivé à Barcelone, il y a une amie à Johan qui nous a accueillis dans son appartement, donc c'était cool. On est resté une nuit là-bas, on est sorti le soir. C'était pas mal aussi. Le lendemain matin, on s'est levé tard, on est rentré tard. On a rejoint ensuite un ami qui s'appelle Alex Weg, un ami de la Suisse qui habite à La Chaux-de-Fonds. On a passé la journée avec lui, on a marché parce qu'on voulait trouver des spots, mais on s'est complètement paumé dans une zone industrielle. Alex ? Ah non, là c'est chiant, mec. On en est où là ? Bah, mec, on est perdu quelque part. Là, là y a, ça fait quoi ? Quelques kilomètres qu'on marche là sous la chaleur. Et puis, on aimerait tout ce qu'on veut en fait, c'est juste une petite plage, tu vois. Finalement, on a terminé à la plage, on s'est baigné. La deuxième nuit à Barcelone, elle a été un petit peu délicate parce qu'on n'avait aucun endroit où dormir. Et du coup, on s'est retrouvé seul dans la rue avec nos sacs et tout notre matos. Du coup, on a cherché un parc, celui où on est maintenant. Et le problème, c'est qu'on n'a pas dormi de la nuit, on a tout petit dormi une heure chacun parce qu'on a failli se faire voler nos affaires quatre fois. Il y a même un moment où il y a un gars qui est monté sur le toit où on était, qui était au-dessus de nos affaires, et je me suis réveillé au moment où il était au-dessus de nos affaires et il est parti en courant. Il a sauté du toit et moi, ces bruits de pas m'ont réveillé. Ensuite, Yvan m'a expliqué qu'il y avait un gars sur le toit et du coup, j'ai pu m'en apercevoir aussi. Pendant toute la nuit, on était hyper crispés, on avait hyper stressé en fait de se faire prendre nos affaires. On s'est levé du sol plutôt que réveillé à peu près 6h30, 7h. Après ça, on avait rendez-vous avec des traceurs espagnols de Barcelone pour une session. Du coup, on s'est levé, on allait les rejoindre. Moi, j'étais mort de fatigue, j'ai pas tracé la matinée, j'ai kiffé dormir, essayer de dormir dans l'herbe ou sur les murs. Pendant qu'Yvan, lui, il a bougé un petit peu. Le lendemain, on est allé de nouveau rejoindre les gars qu'on avait hier, plus d'autres. Et on a fait une super session toute la journée à différents spots, on a pu bouger, filmer beaucoup de choses. En España hay como una visión muy clásica del parkour, muy conservadora en cierto aspecto,
tenían una visión como muy de no a los tricks, no a la competición, como muy anclados en lo que fue los orígenes del parkour, que está muy bien, pero las cosas avanzan y siguen y cambian. Y a nivel mundial veo que la gente está como quizás más abierta a los cambios, más abierta a las competiciones, tanto para las cosas buenas como para las malas. Competition. I've competed once, and that was fun. But me personally, I got just so focused on winning and doing well, I forgot that, like, I blocked everyone else out, it's all my friends, and I was like nodding my head, but I wasn't listening to them. I wasn't responding. I was just being really rude. So I don't compete anymore. It's nice to be able to compete with other athletes to show off and do your best. But I don't think it should be about judging it. Le soir, on est allé dormir à l'aéroport de Barcelone parce que moi, je devais prendre mon vol le lendemain matin assez tôt. Moi, je devais rester encore 5 jours tout seul à Barcelone. Mais vu la nuit qu'on avait passée, la nuit difficile qu'on avait passée, j'ai décidé de retourner à Madrid pour les 5 jours où j'étais tout seul. Et du coup, ça me permettait de revoir les gens qu'on avait rencontrés à Madrid. A lot of people asking, is it dangerous? Is parkour dangerous? And people saying, it's such a dangerous thing, you shouldn't do it, it's dangerous. And then you get a lot of parkour people that are like, it's not dangerous. I disagree. I think parkour is like really dangerous. But the whole point of doing it is to make it less dangerous. So to train it to a point where you are so sure of what you're gonna do that you minimize the risk. It's like, this jump, this leg, again, again. Personnes qui disent ouais mais je comprends pas pourquoi tu vas jusqu'à l'autre bout du monde juste pour faire du parkour. Et c'est vrai que ça paraît stupide de dire qu'on va à l'autre bout du monde pour sortir sur des murs, mais c'est plus que, je sais pas, le fait de voyager, bah du coup ça permet d'évoluer soi-même dans sa manière de bouger comme dans son intérieur, dans son intellect, dans son esprit, parce que je sais pas, on découvre tout, tout est différent, tout change et il y a ce lien de parcours, de communauté qui nous lie tous. Doing parkour just makes me smile and I'm happy every day just because I want to do what I want to do. And obviously if you're the same, then please do it, don't hold back, because it's definitely a thing that I would advise you to do. Go out, go on adventure, because life is short, and now we're young, maybe you're old already, doesn't care, young, old, just go out there and make something of it. Keep the community beautiful, like the way it is. So, parkour. Thank you.
good evening and good night, or good morning whenever you're watching this, and I hope you guys have fun on your trip. See you later. Just to touch base, just to always say that you mentioned it.